Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces artistes qui ont imaginé le monde d'après. Mathieu Noël, Albert Robida, Philippe Cadic nous ont quittés il y a longtemps, mais l'heure est venue pour vous, cher Mathieu, de nous brosser le portrait à 99% vrai d'un cinéaste 100% culte et bien vivant, George Lucas. Padawan Pouls, Padawan Kstlops, Maître Obi-Wan Bern, venu le moment est. Longtemps attendu l'avez-vous. Le portrait de ce génie visionnaire qui a réussi à faire un succès mondial d'un film avec des épées laser qui font PAN PAN. Des types en peignoir qui font du tai chi, un vieux qui parle à l'envers, un gros poilu qui fait un type qui veut coucher avec sa sœur, une nana en bikini avec des macarons sur la tête et le patient zéro du Covid-19 qui aurait peut-être dû vérifier sa saturation en oxygène plus souvent. Je suis ton père, je sais. Star Wars, le film préféré de Stéphane après Sissi l'impératrice, et il compte des centaines de millions de fans de par le monde. Pourtant, la saga culte aurait très bien pu ne jamais voir le jour, pour la simple et bonne raison que George Lucas aurait pu ne pas devenir réalisateur, puisque le cinéma n'était que sa quatrième passion après la course automobile, l'armée de l'air et l'armée de terre. Je m'explique. Le petit George vient au monde le 14 mai 44 en Californie. Son père possède une boutique de fourniture de bureau et il souhaite que son fils reprenne plus tard les rênes du magasin. Ça, je vous le dis tout de suite, pas de suspense, ça ne va pas arriver. Gérer des bourrages papier et commander des toners, très peu pour George, qui est un ado typique des années 60. Il aime les westerns, les voitures et le rock'n'roll. Mais surtout les voitures. Il devient pilote, mais alors qu'il n'a que 18 ans, il est victime d'un terrible accident dont il ne réchappe que par miracle. Il comprend alors que la vie ne tient qu'à un fil. C'est pourquoi il décide de rejoindre l'armée. Je vois pas trop le lien, mais l'US Air Force qui ne veut pas de lui, il est recalé, alors il tente sa chance dans l'armée de terre, recalage. George fait du diabète, donc l'armée lui ferme la porte. Et voilà donc par quel enchaînement de circonstances hasardeuses, celui qui est considéré comme un des plus grands cinéastes de tous les temps, échoue presque par hasard sur les bancs de l'Université de Californie, section cinéma. Et sur qui il tombe dans cette université? Max Pécasse? Non, Francis Ford Coppola. Ils deviennent hyper potes et ils vont former un duo inséparable. Leur créativité épate leurs camarades et leurs profs. Alors après tout, quand deux génies complémentaires se rencontrent, ça forme toujours des duos magiques. Je crois que les auditeurs d'Europe 1 qui écoutent historiquement vous peuvent en témoigner. Moi-même, quand je réécoute l'émission en podcast, parfois je me dis waouh, certains lancements, ma parole, mais c'est du musical. Bonjour Isabelle. Et oui. Historiquement vôtre. Et nos personnages dont un prof a changé la destinée. C'est juste après les infos. Incroyable. Avant Bern Noël, il y a donc eu, les amis, Coppola, Lucas. Deux copains d'université qui fondent en 69 leur société de production, American Zoetrope. Lucas en est le vice-président exécutif et son premier long-métrage est une adaptation d'un cours qu'il a réalisé à l'université intitulé THX 1138. Sous-titre, Le futur, c'est maintenant. Un film grave chelou, comme l'analyserait probablement David Castello-Lopez, dans lequel Lucas imagine le monde d'après, un monde pas jojo, hein, une société totalitaire où un ordinateur décide de prendre possession des consciences humaines. Un truc très sombre et déprimant, preuve que Lucas était pessimiste. Pour rien Stéphane, puisque aujourd'hui on a quoi? Google. Oui. THX 1138 se monte grâce à une coproduction avec la grosse société Warner Bros. Mais voilà, le premier visionnage est une catastrophe. Les gens de chez Warner décrètent carrément le film impropre à la vente et ils exigent d'être remboursés. Lucas est dans la panade, Coppola, son associé du coup aussi. Fun fact, c'est justement à cause de ce terrible échec financier que Coppola accepte, contraint et forcé finalement, de réaliser une petite pochade sicilienne que lui propose Paramount qui s'appellera Le Parrain. Lucas, lui, ne lâche pas l'affaire, il fonde sa propre société de production, Lucasfilm, il fait remonter THX 1138 qui finit par sortir en 71. Pas de raz-de-marée au box-office, mais déjà un certain succès critique pour un film qui deviendra aujourd'hui totalement culte aux yeux des fans de science-fiction. Suivront American Graffiti, puis bien sûr le coup de génie de George Lucas, le premier space opéra écrit sous Space Cake. Vous connaissez tous Star Wars, mais savez-vous comment s'est passé le casting de Star Wars ? Vous avez déjà entendu ces histoires ou pas? Non. Alors, le studio veut que George Lucas recrute des stars. C'est logique pour une grosse production. George, lui, c'est l'inverse. Il veut des inconnus. Au même moment, son pote Brian De Palma, parce qu'il est aussi pote avec Brian De Palma, il est sur l'adaptation de Carrie, le best-seller de Stephen King. Lui aussi, il cherche des acteurs adolescents inconnus. Il propose donc à George d'organiser un immense casting sauvage double. Le même jour, au même endroit, vous pouviez postuler pour Carrie ou pour Star Wars selon la file d'attente. File 1, Star Wars. File 2, Carrie. L'urgence pour Lucas, c'est de dégoter sa princesse Leia, celle avec les macarons sur la tête. Savez-vous qui a été pressenti pour le rôle? Comment elle s'appelle? Alice Donna, non? Presque, Stéphane. Jodie Foster. Oh non, on est pas loin. Jodie Foster. Mais non,
George n'est pas satisfait de Jodie Foster. Il finit par trouver la perle rare en la personne de Carrie Fisher, qui est aussi, hélas, a auditionné pour Carrie, fille 2. Et vous savez quoi? Ben oui, Brian De Palma l'a choisi. Dépité, George se rabat donc sur son second choix, Sissy Spacek, sauf que Carrie Fisher va s'engueuler avec De Palma parce qu'elle ne veut pas tourner nue. En revanche, elle ne voit aucune contre-indication à tourner en bikini avec des macarons dans les cheveux, donc elle rejoint la file 1 et l'aventure Star Wars. Autre figure de la saga mythique, Han Solo, il sera bien sûr interprété par Harrison Ford. Je dis bien sûr, mais saviez-vous qui devait incarner Han Solo à la base, Stéphane? Elvis Donna, non? Non, non, John Travolta, non, mais... Stéphane. Non, Lucas voulait pas Alice Donna, comme vous l'avez dit bêtement, Stéphane. Lucas voulait des inconnus. Et il a eu raison. Avec, il a eu un succès immense, évidemment, avec Star Wars. Star Wars, un film où il imagine le monde d'après avec ce petit twist de génie quand même, alors que tout ce qu'on voit dans la saga, vaisseaux spatiaux, pistolets laser, véhicules volants, est profondément futuriste. Tout ça se passe en fait, nous dit-il en exergue de chaque film, a long time ago in a galaxy far far away, soit David... Je ne sais plus. Non, il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine. Un véritable polyglotte à voir dans l'équipe, c'est grande fierté. Et c'est ça la force de l'univers Star Wars, l'invention de ce que j'appellerais un passé futuriste. Des vaisseaux plus rapides que la lumière, mais vétustes. Des droïdes aux fonctionnalités incroyables, mais rouillés. Ce passé du demain est fascinant et l'on ne peut plus s'en passer. Les spectateurs deviennent des fans et George Lucas peut inventer non plus seulement le monde de demain, mais le cinéma de demain. Celui dans lequel le film n'est plus qu'un élément parmi un océan de produits dérivés. Figurines, Luke Skywalker, Mug, Chewbacca, Godmichet Laser. D'un coup de maître cinématographique, Lucas forge un empire commercial dont l'apothéose intervient en 2012 quand il finit par vendre les droits de sa saga intergalactique pour 4 milliards de dollars à Disney. Une retraite pas seulement motivée par des raisons financières, hein, avec le temps, dans l'esprit en tout cas, George Lucas est de moins en moins George Lucas et de plus en plus George Lucas. Ce type un peu revenu de tout qu'on retrouve à broyer du noir dans un café PMU de Lozère, le genre de type qui voit d'un mauvais œil la montée en puissance de Netflix. Je cite, dans le futur, il y aura moins de cinéma. Y aller coûtera 50 ou 100 dollars, comme une place à Broadway ou un match de foot. Les gros films resteront à l'affiche pendant un an, comme les comédies musicales. Tout le reste, les petites productions, finiront sur le petit écran. C'est moche. Resservez-lui un picombière et George vous dira certainement tout le bien qu'il pense de ce que les studios Disney ont fait de son œuvre. En 2015, il éructe. J'ai vendu mes enfants à des marchands d'esclaves. Parfaitement. Des esclavagistes blancs. Et là, se pose une question éthique, Stéphane. Est-ce que pour 4 milliards de dollars, quand même, on vendrait pas, nous aussi, historiquement vôtre, à des marchands d'esclaves? Évidemment. Non, bah oui, évidemment, vous, oui, parce que l'argent est votre moteur. Moi, je réfléchirai comment. Depuis 2012, George Lucas a renoncé à imaginer le monde d'après pour se contenter de jouir de celui d'aujourd'hui. Oui. Et être riche, non pas à millions, mais à milliards, non, c'est, et vrai, ben, c'est quand même génial. Moi, j'ai un ami comme ça. Il bosse dans la télé. Le mec ne calcule plus rien. Évidemment, vous êtes loin de George Lucas, qui est complètement schizophrène, hein, puisque, effectivement, je le dis un peu dans la fin de la chronique, il est, d'un côté, il vend 4 milliards à Disney, et il tient des propos comme ceux que j'ai cités, contre ce que fait Disney, le traitement que Disney réserve à ses films, aux suites de Star Wars. Et d'un autre côté, il doit avoir un agent, il est obligé de se rattraper de temps en temps. Il dit, c'est formidable les films Disney, maintenant j'adore découvrir les Star Wars. Ah oui, avant, j'avais pas la surprise forcément, maintenant j'adore. Il est un peu bipolaire. Et il y a une rumeur incroyable. Pendant, ça, je l'ai, je vais épouser Melinda Gates. Non, je le dis quand même, ça serait un beau couple. Il y a un acteur qui a bossé avec lui qui dit qu'il était persuadé en 2012 que c'était vraiment la fin du monde. Vous savez, la fin du calendrier Maya. Oui. Et il a une conversation avec lui, et il pensait que c'était une blague, donc il lui fait parler de ça, et l'autre lui dit que non, il dit 2012, c'est la fin du monde. Or, qu'est-ce qui se passe en 2012? Bah, c'est l'année où il vend tout à Disney. Ah, parce qu'il savait que c'était la fin du monde. Je lance une hypothèse. Ouais. C'est le début d'une nouvelle aventure. Ça ne change rien, c'est la fin du monde. 4 milliards, il a. Merci Mathieu. Europe 1, historiquement vôtre.